J'espère que Carr va apprécier son nouveau corps. Bonjour, Carr. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Et toi, mon pote? Bon, ordinateur. Transfère les données de Carr dans son nouveau corps. D'ailleurs, allons voir Clark et Kit pour leur montrer de quoi tu es capable maintenant. Eh bien, tu as tout à fait raison. Mais apparemment, Kit aussi aura une nouvelle transformation et j'ai hâte de voir sa nouvelle transformation. J'espère qu'elle sera cool aussi. Et aussi, je te remercie de m'avoir transféré dans une Chevrolet Camaro de 2017. Car, je crois qu'on a un souci là. Il y a un vortex qui s'ouvre. Nom de Dieu! Chris, le vortex nous attire. Bon, si c'est comme ça, on fonce à l'intérieur et on verra ce qui va se passer de l'autre côté. Mais c'est très étrange. Chris, il y a une personne là-bas. Viens voir. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Mais ça ne serait pas...
Hey, Kit, où sommes-nous là? J'ai la nette intuition que nous sommes pas dans notre monde. Mais je ne vois ni mon frère, ni Carr, ainsi que notre équipe Haven Heroes. Pourras-tu les géocaliser pour voir si tu peux les trouver? Je vais voir ce que je peux trouver. Tiens donc, c'est très étrange. Je n'arrive pas à trouver notre équipe, mais j'arrive à retrouver Carr ainsi que Chris. Apparemment, ils seraient dans le même monde que nous. Quoi? Notre équipe ne se retrouve pas ici. Au moins, ils ne sont point en danger. Bon. D'abord, nous allons devoir retrouver Chris ainsi que Carr. Et après, nous allons devoir trouver un moyen pour retourner dans notre monde. Bon. Kit, je pense que c'est le moment de te transformer. D'accord. Sérieusement. Transformation. En route. Mais où est Bethieta? Tiens, c'est très étrange. Je ressens un ki très puissant. Ça viendrait de ce véhicule là-bas? Ah, mon ami Kit, je ne sais pas où nous allons là. Bon, allons demander à une personne notre chemin. Tiens. Je pense que cette personne qui est devant nous pourrait nous éclairer. Et il aurait peut-être croisé mon frère ainsi que le tien. C'est vraiment étrange. J'ai l'impression que ce qui ressemble à mon... Non, c'est impossible. Il est déjà mort. C'est impossible qu'il ait pu ressusciter. Bon, Kit, je vais lui poser la question, car il me semble très sympathique, cette personne. Tiens, et en plus, il lui ressemble. Bon, je vais lui demander... S'il voudrait m'affronter, si c'est bien le cas, ça voudrait dire que c'est bien lui. Bonjour, monsieur. Hein? Vous voulez? Bon, ce n'est pas grave. J'ai une question à vous poser. Ah, bonjour. Ça ne sert à rien de m'appeler monsieur. Tu peux m'appeler Sangoku. Mais certains de mes amis m'appellent aussi Kakaroto. Voilà la question. J'aimerais savoir si vous n'auriez pas croisé une personne... ayant une BMW Z4. Il est habillé de couleur noire, tout en noir d'ailleurs, avec une chemise blanche. Et c'est mon frère. Ah, d'accord. Je vois, c'est ton frère. Je pense qu'il est entre de bonnes mains. Ne t'inquiète pas pour lui. Bon, à part ça, j'ai une question à te poser. Voudrais-tu m'affronter en duel? Car j'ai vu que tu aurais une force vraiment incroyable. J'aimerais évaluer cette force. Et d'ailleurs, quel est ton nom, s'il te plaît? Moi? Pourquoi m'affronter? Bon, moi je n'ai pas le temps pour ça. Si vous savez où il est, ben dites-le moi, non? Mon nom est Clark Junior Kent. Au fait, si je pense qu'il est entre de bonnes mains, c'est parce qu'il est avec l'un de mes amis. Ne t'inquiète pas. Et je suis sûr qu'à l'heure actuelle, ton frère s'amuse vraiment. Alors s'il te plaît, affronte-moi. J'ai vraiment envie de savoir de quoi tu es capable, Clark Junior Kent. Bon, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai une question. Comment se fait-il que ton véhicule puisse être autonome? C'est très étrange, ça. C'est normal. Ce véhicule est K2000, une intelligence artificielle conçue par Wilton Knight. Et j'ai un petit peu amélioré ce véhicule à ma sauce. Ah, d'accord. K2000, Kit. Ah, je vois. Bonjour, Kit. Bonjour, Sangoku.
Et d'ailleurs, comment savez-vous qu'on peut m'appeler aussi Kit? Quelqu'un vous en aurait déjà parlé auparavant? Ou est-ce autre chose? Oui, c'est vrai. J'aimerais savoir aussi, Sangoku. Je vous expliquerai lorsque nous aurons terminé notre combat. D'accord, Sangoku. Si tu veux te combattre contre moi, c'est d'accord. Je suis beaucoup plus fort avec cette nouvelle évolution de Greenstone. Papa m'a dit à moi et à mon frère que nous devons nous battre au péril de notre vie. Mais là, ce n'est pas possible. Je me suis transformé en Greenstone évolution et j'ai encore perdu. Non, je dois me relever. Je dois battre Sangoku, le Super Saiyan le plus fort. Je dois apprendre à maîtriser ma nouvelle forme. Il faut que je réussisse. Faut que je devienne encore plus fort! Ah, tu te rappelles de moi. Mais je ne suis pas un Super Saiyan, je ne suis qu'un Saiyan. À ce que je vois, tu veux tenter de maîtriser ta véritable forme. Vas-y, lance-toi. Deviens celui que tu dois être. C'est étrange, je ne me rappelle pas que tu pouvais te transformer en Greenstone, mon pote. Ah, ça fait très longtemps que j'ai voulu t'affronter à nouveau. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Sangoku. Je ne t'ai jamais rencontré auparavant. Sauf que, ah oui, je me rappelle t'avoir déjà vu à la télévision lorsque tu t'es transformé en Super Saiyan pour la première fois contre Freezer. Alors c'est de ça que mon père voulait parler, de ma véritable forme. En gros, c'est toi, mais je ne comprends toujours pas la relation entre mon père et toi. Alors là, j'en crois pas mes yeux. Maintenant il y a deux Sangoku. Tiens Clark, tu t'es beaucoup amélioré. Mais là, moi non plus je n'y comprends pas. À la fin, je veux t'expliquer. Ne t'inquiète pas. Vas-y, donne-toi à fond. Très étrange. Il se transformer en Super Saiyan, putain, c'est impossible. Et moi, je n'ai pas encore eu cette capacité. À moins que... Je suis fier de toi, mon élève. Sangoku, désolé de te le dire, mais... Au fait, c'est la première fois que j'utilise le Kamehameha. Et en plus, je ne viens pas de ce monde, d'ailleurs. Comment ça? Tu ne viens pas de ce monde? Moi non plus, je ne comprends pas. Bon, tu m'expliqueras ça, tout ça. Et aussi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé en détail. Et d'ailleurs... Je pense que ton ami devrait t'aider. Là, tu es totalement épuisé. J'arrive tout de suite, mon ami. Merci beaucoup, Kate. Heureusement que je ne me suis pas transformé en Super Saiyan. Sinon, je t'aurais battu. Mais j'ai voulu me battre
contre toi équitablement, vu que tu n'as pas réussi à te transformer en Super Saiyan. J'ai hâte de voir ce que tu vaux lorsque tu seras en Super Saiyan. Quoi ? Moi aussi je peux me transformer en Super Saiyan ? Ça voudrait donc dire que je peux aussi atteindre l'Ultra Instinct ? Bon, ce n'est pas grave. Mais quoi ? Tu peux aussi te téléporter ? Pourrais-tu m'apprendre, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Mais avant, nous devons un peu parler de ton passé, ou devrais-je dire où tu vis exactement ? Je suis né à Smallville, comme mon père exactement. Mais je me suis battu contre une équipe vraiment redoutable qui est la Team Dark. Et d'ailleurs, pourrais-tu m'expliquer la relation entre mon père et toi ? Eh bien, je suis parti du Japon à la recherche d'un guerrier vraiment redoutable. Et c'est là où j'ai entendu parler d'une petite ville nommée Smallville. Là où j'ai rencontré ton père pour la première fois et nous sommes affrontés. C'était vraiment une bataille vraiment incroyable. Il était vraiment fort ton père. Ton père m'a posé une question très alarmante. Il m'a demandé si je ne connaissais pas une personne aussi vraiment forte. Donc je lui ai parlé de Vegeta. Il m'a demandé si je ne pouvais pas demander à Vegeta de transférer son gène à Chris et moi de transférer mon gène à toi. Moi je n'avais pas compris pourquoi. Ah, c'est pour ça que mon père a dit à mon frère et à moi que nous avions un pouvoir vraiment très puissant, beaucoup plus puissant que les Kryptoniens. Moi je n'avais toujours pas compris de quoi il parlait. Maintenant je comprends mieux. Et bien maintenant, allons voir ton frère. Je pense qu'il est avec Vegeta maintenant. Sangoku, j'ai compris l'histoire maintenant. Mais t'aurais pu me le dire plus tôt pour mon frère. Et d'ailleurs, j'ai une autre question à te poser. Je n'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as dit que ça fait longtemps que tu voulais me revoir. Explique-toi. Eh bien, tu étais ici, Clark Junior. Sauf qu'il s'est passé beaucoup d'événements pour que je te raconte l'histoire. Pour le moment, on ne va pas vous en parler. Donc, ne me demande pas plus. D'accord. D'ailleurs, Kitekar aussi était ici. Je comprends mieux alors. Eh bien, maintenant je comprends mieux de quoi tu parlais, de comment tu me connaissais. Mais j'ai une question, est-ce que je suis toujours ici ? Oui, vous êtes bien ici. Sauf que pour le moment, vous n'êtes pas dans le coin. Vous êtes avec votre nouvelle coéquipière. D'accord. J'ai hâte de les rencontrer alors. Nouvelle coéquipière ? Bon, allons-y. やつに教えてくれ。